AFAGA, c'est une association femme qui travaille en dedans département Grand Anse depuis plusieurs années. Dans l'occasion de la célébration Journée internationale pour les droits femmes pour l'année 2022, je te célébré la date dans une façon qui est différente. Je te tombé en campagne dans plusieurs communes en dedans département, ça qui te vient aboutir à un concours dans la commune sous plus bonne façon pour camper une femme modèle. Une femme exemplaire, une femme jam, une femme qui toujours a goumé pour droit, une femme qui toujours a bataille pour faire droit l'autre femme respecter, c'est aussi là qui beaucoup plus faible. Grand final concours ça, t'es organisé dans Jérémy, dans la commune Pestel, c'est Miran Wadley qui t'est représenté là. Pour la commune Roseau, c'était Jean Belinda. Pour la commune Beaumont, c'était Pierre Guerlain. Pour la commune Corail, c'était René Nadia. Pour la commune Jérémy, Pierre Davidson, c'était représentant. Pour l'évaluation participant, yo, yo te formé un jury qui te gen plusieurs membres. C'est Care Haïti, yon gros organisation qui travaille en dedans département qui te financé projet ça. Yon délégation qui te gen la dans plusieurs cadres dans l'institution ça. Était présent dans la cérémonie finale là. Parmi eux, directeur régional là, dans discours qui te sentit satisfait par rapport à la façon AFAGA te bien mené projet ça à travers 5 communes dans le département Grand Anse là. Moi je veux féliciter AFAGA pour la façon que organisé comme ça et féliciter jeunes nous parce que c'est vraiment intéressant et traiter le sujet que nous-mêmes avons décidé de traiter en tant que modèle pour nous camper pour nous en ouais. Après la prestation de tous les participants, c'est comme une Pestel qui est arrivée dans la première place. Là. Chaque participant te recevra primio après résultat jiria. C'était une occasion en or pour te exposer tout ça yo gen la kayo comme talent. Et concours ça, c'est une étape dans la vie yo. Il permet yo vinn gen plus confiance dans tête yo. AFAGA a travaillé dans le département Grand Anse depuis plusieurs années. C'est avec en pile volonté yo t'a exécuté projet ça. D'après coordinatrice là, madame Yasmine Saint-Louis, qui fait quoi y a continué travail sans camper malgré toutes difficultés pour soutenir toute initiative, toute bataille pour droit femme, pour émancipation et autonomisation femme dans le département Grand Anse là.